Les officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise participent sur initiative de la présidence de la République au séminaire des renforcements des capacités opérationnelles sur les opérations des paix onusiennes face aux défis de la régionalisation des forces parallèles et de l'externalisation à travers cette thématique des partenariats, des opérations initiales de stabilisation, des opérations parallèles de lutte contre le terrorisme et des maintiens des mandats des opérations de la paix. Le séminaire entend revenir sur les défis que rencontrent les opérations de paix des Nations Unies pour mieux les adapter aux défis contemporains. Sous le haut patronage du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République démocratique du Congo voudrait démontrer l'intérêt qu'il porte aux réflexions et aux analyses, ainsi qu'aux options stratégiques qui se dégageront de cette journée. Un grand général français du nom de Charles de Gaulle avait un jour déclaré que l'action, ce sont d'abord les hommes au milieu de circonstances. Et aujourd'hui, les circonstances nous imposent une attitude autre que celle de l'expectative. Elle nous impose d'agir pour sauver la paix, la sécurité de nos populations dans un monde devenu depuis un village planétaire où les nations et les peuples sont entremêlés et où plus personne ne se trouve, se retrouve dans le confort de la solitude ou les replis sur soi. Face à l'histoire qui est en train de s'écrire, parfois dans la douleur, face à l'incertitude qu'impose le terrorisme dans le monde,